Toujours homologué. Vous voyez par exemple vos baskets là, si vous tombez à 50 km/h, votre basket elle est plus là. Elle vous protégera pas. 50 km/h c'est. Bon, c'est en ville. Hein. C'est pas comme si on était sur l'autoroute. D'accord. Bien sûr, je suis venu assister à cet atelier qui est très important. Vous savez, là on arrive dans les périodes estivales. Il y a différents rodéos qui se développent à cette période-là et même hors période estivale. Hein. On l'a vu récemment dans les villes comme Grenoble ou Lyon où des jeunes ont rentré dans les centres commerciaux avec des motos, faisaient peur aux riverains. Même dernièrement aussi, quelqu'un a renversé un enfant en moto. Donc je pense que cette prévention est nécessaire et qu'elle doit être décuplée dans différentes villes de France pour prévenir les accidents, mais aussi pour faire comprendre aussi et donner conscience à ces jeunes qu'une fois qu'on est sur une moto, il faut avoir les équipements. Vous voyez, cette moto par exemple, elle est homologuée avec des rétroviseurs, mais ensuite il faut aussi avoir un bon équipement. Et je salue moi cette initiative des jeunes. Il y a ici Mamadou Koulibaly qui est là, les autres jeunes sont là-bas derrière avec les praticiens. Et voilà, c'est important en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Quand tu l'enlèves, ça tire un peu, tu vois. Si au niveau de son cou, c'est abîmé, là, ça se trouve, il sent peut-être plus ses jambes. Là, le seul moment où vous devez bouger un motard qui a chuté, c'est s'il se retrouve sur le ventre. Pourquoi? Parce que pour faciliter sa respiration. Donc aujourd'hui, on est sur une initiation moto. Donc c'est l'association Soft Girl. On est, on va dire, à l'initiative de ça. On a fait appel à l'association Biker Security Prévention. Excusez-moi, parce que j'ai fait de la moto avec les jeunes, là, comme vous les voyez tous là. Donc du coup, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Donc on a fait appel à eux parce qu'on a vu qu'il y avait une recrudescence, on va dire, de rodéo sauvage. Et plutôt que de faire comme, malheureusement, comme, on va dire, comme l'État, entre guillemets, faire de la répression, nous, on a préféré prendre la chose autrement et faire de la sensibilisation et de la prévention. Donc je remercie Back to Basic qui a prêté les motos, ainsi que Yas Kifo de YQF Training qui a aussi ramené des motos. Donc voilà, aujourd'hui c'est une belle journée, il fait beau, il fait chaud, donc que du bonheur. Je me présente, je suis Ophélie Fanjou, la directrice du Centre socioculturel Salvador Allende. Oui, nous avons décidé d'organiser cet événement par rapport au fait hein, sur la ville. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui font du rodéo urbain. Donc on s'est dit qu'il faut sensibiliser faire de la prévention. Pour faire de la prévention et vraiment que les jeunes puissent s'identifier à l'action, il faut ramener des motos sur le site de façon sécurisée et utiliser les points différents qui sont l'équipement, ce que dit la loi, les articles de presse et ensuite un peu d'initiation de démonstration avec les gestes de premier secours et les pompiers à nos côtés sur cette action.